Bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous réaliser une nymphe qui s'appelle la Gasolina. La Gasolina, c'est une perdigone au départ qui est utilisée par les compétiteurs espagnols et qui donne la couleur d'un corps essence. Donc pour ceci, on va utiliser un hameçon. Donc là, un hameçon de 16 tige droite F100. Donc je prends du Fasna en F100 avec une bille donc fendue Oliva, voilà, donc de 2,5 pour la mission de 16. Si vous voulez monter sur du 14, vous allez prendre une bille de 3. Ensuite, je vais utiliser donc ce fameux papier qui est utilisé par les compétiteurs. Donc c'est voilà, c'est du UV Flash. Donc 0,6 vert cuivre. Donc c'est Riera Fishing qui distribue. C'est les seuls en France à distribuer ce papier qui vient d'Espagne. Donc vous, au préalable, j'ai découpé donc une bandelette très fine de 1 mm, même pas, pour réaliser le corps. Donc au cutter, je vais découper la bandelette. Je vais utiliser donc du fil noir nanosilk 12-0 pour faire le sous-corps. Et donc pour l'originalité de la nef, donc là elle ne sera pas montée comme une perdigone, elle sera montée, ça s'appellera une gasolina améliorée, donc avec une plume de flamme de canne. Donc pour commencer, je vais réaliser donc la tête de la nef de manière à mettre la bille en retrait de 2 à 3 mm. Donc je fais une tête à la main avec le fil de montage noir. Je coupe l'excédent de fil. Donc on commence par réaliser la tête. Donc là, une fois la tête réalisée, je vais faire un wind finish pour l'arrêter. L'excédent de fil. Donc la bille vient embuter donc contre la tête à 3 mm de retrait et je vais réaliser maintenant le corps, le sous-corps on va dire, de manière à l'arrière de la bille, à relever la bille pour qu'elle ait avec un petit décalage et qu'elle remonte un petit peu avec la fente et qu'elle permette d'avoir une meilleure ouverture dans le son. Donc comme une perdigone en fait, je vais remonter la bille, donc je tourne en arrière jusqu'à ce que la bille se positionne comme il faut. Voilà. Donc je surcharge à l'arrière pour bien la relever. Et là, je vais revenir vers la courbure de l'hameçon pour venir fixer le fil, le papier, le fameux papier Gasolina. Donc là, je stoppe je coupe l'excédent de fil, j'arrive à la courbure. Voilà. Et là, je vais venir fixer le papier que j'ai découpé au préalable. Pour réaliser maintenant le sous-corps conique.
de la nymphe. Là, je vais essayer d'arriver le plus à ras de la bille avec le sous-corps, en formant le sous-corps conique. Voilà. Là, je vais venir bloquer, donc faire le nœud, un nœud d'arrêt. Donc, je vais faire un wind finish pour bloquer le tout. Je coupe l'excédent de fil dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de colle cyano que je vais venir positionner donc sur le sous-corps pour venir coller directement le papier. Et en même temps, ça va révéler vraiment la couleur gasolina. Le fait d'y mettre la cyano, c'est mieux. Donc, je mets une goutte de cyano sur le corps, dessus et dessous, et sur les côtés. Et là, je vais prendre donc le fil de papier et je vais tourner pour réaliser donc le corps. Et en même temps, ça va me permettre de coller le papier directement sans avoir à faire de nœud pour bloquer à la fin. Voilà, donc là je vais couper maintenant l'excédent de papier. Donc là, pas de nœud, c'est collé directement et en même temps ça va bien révéler la couleur gasolina. Donc je vais reprendre donc le fil de montage et je vais continuer à faire ma tête. Je coupe donc l'excédent de fil. Et je vais prendre donc ma plume de flamme de canne. Je vais sélectionner quelques fibres. Donc là, j'aime bien, vous regardez, en fait, il y a plusieurs couleurs dans les flammes de canne. Il y a des couleurs claires, des couleurs sombres. Là, moi, je préfère prendre une couleur sombre pour faire un peu de contraste entre la couleur du corps et le sac à l'air. Donc vous prenez 5-6 fibres, on va dire, ne surchargez pas trop. Donc vous les arrachez de la plume. Donc là, je vais ajuster donc la longueur des fibres que j'ai besoin pour avoir en même temps la queue à l'arrière. Donc je vais fixer donc la plume à peu près à cette distance.
je vais couper l'excédent de plume à l'avant. Et terminer la tête de la nymphe. Donc là, je vais réaliser un moon finish pour bloquer le tout. Je coupe l'excédent de fil. Donc en fait, le but c'est de quoi? Là, je vais recouvrir donc la nymphe avec la plume de fin de canne. Et cela va réaliser en même temps la queue et le sac à main. Donc pour ceci, je vais prendre un peu de colle cyano, de vernis UV, que je vais mettre au-dessus de la du corps, une goutte. Je prépare ma lampe UV. Là, je vais venir positionner donc maintenant en essayant d'équilibrer de chaque côté donc les plumes de flamme de canne. Et je vais venir les poser dessus. Et là, pour fixer le tout, en fait, je vais prendre une goutte de vernis UV que je vais poser dessus. Et je vais fixer donc avec la lampe UV, avec les plumes posées dessus. Donc là, ça va prendre le pli. Voilà, une fois que ça a pris le pli, c'est bon. Les plumes sont collées. Donc là, ça peut être réalisé en plusieurs étapes. Donc le but, c'est de passer la résine UV un peu partout. Donc sur la plume, mais garder quand même l'arrière souple. Donc je vais continuer, donc je vais mettre un petit peu d'UV sur la bille et la tête et sur le dessus de la nymphe, les côtés, le dessous. Là, vous vous arrêtez à peu près ici. Voilà. Et là, je vais fixer vite à l'UV. Hop. À la lampe UV. L'avantage, c'est que ça peut se réaliser avec ces vernis UV en plusieurs étapes. Donc là, le dessus, le dessous, c'est pris, sur les côtés aussi. Voilà, ça va faire une forme un peu de javis, on va dire, un peu comme un javis, un peu, avec en même temps, garder quand même, comme je vous dis, la souplesse à l'arrière. Ne mettez pas de vernis UV sur la queue, parce que la pointe de la plume va servir pour faire la queue de la nymphe. Regardez. Donc voilà. Donc maintenant, comme je fais toujours, je vais passer un petit coup de vernis classique dessus. Maintenant que la résine UV a séché, ça c'est pour quand même sécuriser un peu et pour avoir pas trop de collage au niveau de la nymphe, pour pas que ça colle trop encore, parce que les résines UV ont du mal des fois, elles pèguent un peu toujours un peu. Donc là, hop, maintenant qu'elle est bien fixée, je passe toujours un petit coup de vernis classique pour lisser le tout.
prenant soin de ne pas mettre sur la queue, bien sûr. Voilà, dessus, sur les côtés, dessous, ok. Voilà, donc là vous avez, on va dire, une gasolina améliorée. Un montage très intéressant qui m'a donné de très bons résultats, sur, notamment sur le Vior et aussi sur l'Aveyron. J'ai fait une truite de pas loin de 45. Donc, voilà, garder un peu de souplesse à l'arrière parce que sinon la truite va sentir la rigidité. Et vous pouvez la monter aussi en 14 sur une vie de 3, ça marchera très bien. Et là, bon. C'est un modèle que je trouve très intéressant et qui est à avoir dans votre boîte. Encore en ce moment, il y a des olives, donc des nymphes olives, donc avec des grandes olives. Donc en fait, la nymphe aussi, donc vous donnera de très bons résultats. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.
T'as senti qu'elle était... Ah ouais, j'ai pris la touche, mais pas violente, tu vois. Ouais. Ah, j'ai pris la touche, mais pas violente. Ah, mais... Au revoir, ma belle. Jolie truite du... De l'Aveyron. De l'Aveyron. Ouais, je crois qu'il y a des gros poissons, quand même. Ça fait plaisir, hein. Allez, mademoiselle. Allez. Allez, la fille. On y va. C'est beau. C'est beau. Bravo, chapeau. Bravo, monsieur Christophe. Ouais, c'est pas guide de pêche au premier. Super. Ouais, super.